For the thousands in attendance and the millions watching around the world, ladies and gentlemen, le Pierdon Show! Merci d'être là, 17h08 et comme tous les jours, il est là et les jeudis, oui. On parle de cette chronique super sympa qui s'appelle... La leçon de musique. Bienvenue Manu. On apprend plein sur la musique, merci Julie. Présente. Voilà, très bien. Et aujourd'hui, nous allons nous pencher dans la leçon de musique sur le nouveau single du chanteur à la barrette. Quoique depuis quelque temps, il a gagné. Ouais, il a gagné quand même en reconnaissance, donc on ne lui dit plus ce pseudo. Hein. Même les Arocs en ont parlé, on trouvait que c'était génial. Je veux parler donc du premier titre du quatrième album de Julien Doré et qui s'intitule Le Lac. Vous avez déjà entendu ce truc? Oui, c'est le nouveau, bien sûr, on le passe sur Rouge FM. Bon, alors dès les premières notes, tout le monde crie au scandale et au plagiat. Tu veux dire quelque chose, Julie? Tout à fait, Jean-Pierre. C'est un auto-plagiat, non? On dirait Paris Seychelles. Bah oui, effectivement. Bah, c'est fou, on dirait. Ça ressemble énormément à son précédent hit sorti en 2013, Paris Seychelles. Ouais. Sourire dehors à Angoulême, un chasse-plin Melchior. Déjà, c'est la même voix. Paris Seychelles. Mais se fout de notre gueule, là. Non, mais vaut mieux s'auto-plagier, finalement, que de plagier les autres. Ça coûte moins cher. Bon, on arrive à mettre les deux en même temps, bien sûr, vous avez bien écouté. C'est rien que j'ai dû monter légèrement, mais c'est pratiquement pareil. Le corps contre corps, sur Seychelles, le ciel est notre signe, fleur de sel, la forme est ce soir, de l'île au cerf, l'orage au soleil. D'accord, il y a un peu les mêmes scansions, là, le même rythme au niveau de le débit, le type de mélodie, etc. On dirait quand même qu'il y a un couple qui fait l'amour derrière, hein, en l'occurrence. Mais attention, il y a encore meilleur comme comparaison, comme repérage de plagiat. Ça concerne la petite mélodie d'intro à la guitare, ici. Ça me dit quelque chose, ouais. Alors, il y a sûrement deux ou trois autres choses. Moi, j'ai découvert, en tout cas, une des utilisations de cette petite mélodie. Mm-hmm. Je l'ai trouvée tout simplement en faisant justement dans ma tête... Ça s'appelle Nananana. Ouais, Julie, elle essaie de tricher. C'est qui? Oh, la balance. Ouais, même, de toute façon, ça se verra en vidéo puisque je suis en train de filmer la séquence. Et on la voit qui c'est quoi? C'est The Chemical Romance. Et puis, c'est sorti en 2010. Tu parles toujours aussi bien anglais, toi, par contre. Chemical. Je pense que c'est le Chemical Romance. Chemical Romance. J'attends Prison Break. Et on les met ensemble, c'est là-dessus que je vais terminer ma chronique. Ça fait un peu de Julien Doré, mais beaucoup moins calme qu'à l'original. Voici donc les Chemical Romance avec Julien Doré. Un petit peu le lac, mais sous l'orage. Hein. Ouais, c'est le lac du Connemara, terriblement, avec beaucoup d'orage. Avec un peu moins ringard aussi, par la même occasion. Tu vas lui envoyer tout ça vite fait à Julien Doré. Bien sûr, Julien, c'est mon ami. RougeFM.com peut-être. En tout cas, cette leçon de musique est à podcaster sur RougeFM.com. Vous allez retrouver dans quelques heures aussi, parce que le temps que Pierdo fasse un montage. Attends, je dois faire tous les crédits, je dois écrire plein, je dois faire les effets spéciaux. On vous mettra la vidéo sur la page de l'émission, bien évidemment, facebook.com/le1620, ça balance. Pierdo, reste avec nous, on va lui confier sa mission.